Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse. Grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un de si. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui, oui. Mais soyez courtois, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Tiens, débrouille-toi pour que ces hommes là-bas me suivent. D'accord, monsieur. Mieux vaut que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièces. Monsieur Bancroft, quelle sera la prochaine pièce au Prince of Wales? Je vais vous donner la prochaine pièce de monsieur Robertson. Félicitations, jeune homme. Dizzy devrait faire appel à vous pour s'occuper des libéraux. Là, dans la voiture, c'est la femme du Premier ministre. Personne ne doit me voir ici, Mr. Fry. Bravo. Tu es une bonne jument. Continue. En route. Doucement, allez. Donnez-moi le bras, Mr. Fry, et voyons ce que nous réserve The Devil's Acre. Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Ni les chats. Attrapez-le et faites-le. Yes.
Mr. Fry, devrions-nous poursuivre? Que diriez-vous d'assurer la cohésion d'un parti au Parlement? Arrêtez cet intrus! J'imagine que vous êtes la terreur des bas-fonds de Londres. Allons, continuons. Regardez ces deux-là. Oui, je crois qu'il... J'ai été mariée deux fois, Mr. Fry. Je sais reconnaître ce genre de choses. Que Dieu les bénisse. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Pourquoi? Est-ce une chose affreuse? Du rat, peut-être? Je ne veux pas être indélicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux wanton pus. Donc ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Joli chien. Bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui... Comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez, prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter.
Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Regardez qui voilà. C'est notre promeneur de chien. Oh. Allons, ne nous fâchons pas pour si peu. Je vous remercie pour cette soirée aussi revigorante qu'instructive, Mr. Fry. C'est moi qui vous remercie, madame. Peut-être pouvez-vous me parler de l'homme en tenue de hussard. Oh, bien sûr. L'individu que vous cherchez est Lord Cardigan. Il est d'un ennui mortel. Allez. Il assène à tous ses prouesses militaires. Savez-vous où je pourrais le trouver pour l'aborder discrètement? Je crois, oui. Il est en ville en ce moment, à faire campagne contre la loi sur la collusion. Vous le trouverez sans doute au palais de Westminster. Mais soyez prudent. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Votre arrêt, madame. Mon arrêt. Oh, quel joli langage. Oh. Merci pour cette très belle soirée, Mr. Fry. Je dirai le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh. Oh oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mot de passe pour voir Lord Cardigan? Du calme. J'ai ce mot dans ma poche. Je compte sur vous. Personne ne doit passer sans mon autorisation. Cardigan est allé trop loin. J'ai bien envie d'en référer à Scotland Yard. Allons, messieurs. Je croyais que nous formions un front uni contre cette loi perfide. I mean...
Right, shall I take you to the law then? Balaclava. Bon sang. Il danse. Thank you.
Pardonnez-moi, messieurs. Sergent Freddy Haberlin de Scotland Yard. Où peuvent bien se dérouler ces activités scandaleuses? Oui, c'est... par ici. Suivez-moi, sergent. Mais... discrètement, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas qu'on me voie dénoncer l'un de mes collègues parlementaires. Voyez-vous? Je sais me montrer discret. Généralement, je me déguise, mais mes vêtements sont tous dans la Tamise. Statue peut-elle être aussi crasseuse? Je ferais mieux d'aller voir ce qui a provoqué ce bruit. Balaclava. Allez-y. Ah, monsieur. Maintenant, discutons de ceci en... Grand Dieu! Mais qu'est-ce que... Oh, tu vas te taire. Aura été privé d'une fin glorieuse sur les champs de bataille de Crimée pour périr de la lame d'un assassin sous les lambris du pouvoir.
Vous avez fini. Réjouis-toi, canaille. Tu as réussi ce qu'aucun canon russe ou tigre des Indes n'est parvenu à accomplir. Empare-toi de ton trophée. Étouffe-toi avec. Oui, mais dis-moi plus sur Balaclava. Adieu. Adieu, douce Britannia. Tes lendemains seront bien ternes sans le comte de Cardigan. Dieu protège la reine et le 11e hussard. Quelle plaie. Bien. Oui, à part l'escadron de la mort qu'on a aux trousses. Les renforts arrivent. Mais pourquoi tu prends autant de risques? Ce n'est pas à toi de combattre les Templiers. J'ai eu un camarade, le fils de notre chef. Au début, je ne l'aimais vraiment pas. Tout le monde le traitait comme s'il était le meilleur d'entre nous. À mes yeux, ce n'était pas justifié. Il ne s'impliquait que dans ce qui le touchait personnellement. Je me trompais sur lui. On est devenus amis. Il a vécu un enfer. Et à la fin, il nous a tous sauvés. Alors je crois que... il est trop tard pour des excuses, mais je ne sais pas. Je peux essayer de suivre son exemple. Tu es un bon assassin. Wow, la vache! Bonjour. Ça faisait trop longtemps. Kalina! Bon sang, je ne t'avais pas revu depuis qu'on a fait sauter ce labo à Paris. Ah, il y a eu beaucoup d'explosions et tu as hurlé comme un bébé. Bishop m'a dit... Kotzoberg est ici. Je vais le tuer pour toi. Génial, super nouvelle. Maintenant, si ça ne te gêne pas de monter la garde, je vais me laisser mourir. Repose-toi. Un dur combat nous attend. Sean et Rebecca sont en sûreté. Mais on compte toujours sur toi pour trouver le suaire. Une invitation à dîner. Il peut bien avoir envie de dîner avec toi. Maxwell Ross. Le chef des Blighters? N'y va pas. Bien sûr que non.